Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kwadio Konan-Bertin, a reçu, ce mercredi 27 avril 2022, plusieurs leaders de partis politiques prêts à l'accompagner dans sa mission. Une délégation de partis dont l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, le Rassemblement pour la paix, RPP, et l'Union démocratique citoyenne, UDCI, s'est rendue, ce mercredi 27 avril 2022, au cabinet du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kwadio Konan-Bertin d'IKKAB. Au terme des échanges entre le ministre et ses hôtes, le président de l'UDPCI, Albert Mabritoakeus, porte-parole de la délégation, a donné les raisons de leur présence. On a été très heureux de rendre visite au ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. C'est un frère, mais c'est aussi une personnalité à qui le chef de l'État a confié une mission importante. Booster le processus de réconciliation, apporter sa contribution à la cohésion nationale, a dit Mabri. C'est pour l'accompagner dans le travail important qu'il est en train de faire, il a fait savoir qu'en tant qu'acteur politique qui voit le ministre travailler et qu'il fréquente, ils ont jugé nécessaire de venir, après sa reconduction, lui présenter leurs félicitations, mais lui offrir aussi leur disponibilité. C'est pour l'accompagner dans le travail important qu'il est en train de faire, a-t-il synthétisé. À l'en croire, la mission du ministre KKAB est délicate et il a besoin de l'appui de tous les Ivoiriens pour la réussir. C'est une mission difficile, délicate parce que la crise ivoirienne a été longue, multiforme. Les solutions ne sont pas évidentes. Ça demande la foi, la persévérance, ça demande des hommes d'engagement. Mais ce n'est pas lui seul qui réussira cette mission. C'est tous les Ivoiriens, c'est toutes les Ivoiriennes avec nos amis, avec l'appui de nos amis, a-t-il déclaré. Il a souligné qu'ils sont venus lui dire leurs encouragements et lui souhaiter bonne chance, ajoutant au passage qu'ils ont été heureux de l'accueil à eux réservé et de la qualité des échanges avec KKAB. Le ministre Kwadio Konan-Bertin sensible à la démarche de ses aînés pour sa part, le ministre Kwadio Konan-Bertin s'est réjoui de la visite de ses aînés et retenu la marque de fraternité à travers leurs propos. Je suis très sensible à cette démarche. Je me sens honoré et je voulais, en retour, leur dire merci. Je crois que le président l'a dit. La mission que le chef de l'État a bien voulu me confier, par sa délicatesse, requiert une mobilisation générale. Personne ne peut, à lui tout seul, prétendre conduire à bon port un tel processus, a-t-il déclaré. Lire aussi le ministre de la Réconciliation et de Cohésion sociale Kwadio Konan-Bertin s'entretient avec la société civile. Il a souligné qu'il a besoin d'une volonté politique affichée de tous les acteurs, une volonté générale et s'est dit heureux de savoir qu'il peut compter sur eux, leur volonté, leur soutien pour, justement, conduire ce processus. Le RPP et l'UDCI étaient respectivement représentés par Ouattara Gnonzié et Nyanzi Gola Anissé à cette rencontre. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.